Nicolas, t'aurais de la confiture pour ma biscotte? Non, attends, t'as traversé tout Paris pour ça? T'as pas croisé une épicerie sur ton chemin, non? Tu vois, Nicolas, c'est à cause de ce genre de réflexion que les gens ont l'impression que tu ne m'aimes pas. Mais non! C'est quand je leur dis que tu me saoules et que je peux plus voir ta tête tous les jours. Mais dis donc, c'est pas de ma faute si t'es là chaque fois que je viens. Non mais c'est pas vrai, mais t'es borné. Ouais, c'est même pas vrai. Attends, tu sais même pas ce que ça veut dire. L'autre, est borné, c'est quand on est mort avant d'être né. Ok, très bien. Alors maintenant, tu dégages. Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Mais c'est Nicolas, il est encore méchant avec moi. Il y en a marre. Mais vous êtes vraiment infantiles tous les deux. Pourriez pas faire la paix? Ah, pas marre, toi, de fréquenter une débile? Ah, parce que tu fréquentes une débile? Bah, je te félicite pas, Isabelle. Il parle de toi. Ah, d'accord. Très bien. Mais puisque c'est comme ça, je resterai pas une minute de plus dans cette maison. Voilà. Bon, et bien, puisque c'est comme ça, c'est moi qui pars. Oh.